say something. De remercier le Dieu Tout-Puissant. To thank God. Qui nous a permis de nous retrouver ce matin dans cette très belle église. Who has given us this opportunity to be here this morning. Je suis le pasteur Marco Makolo. I am Pastor Marco Makolo. Pasteur responsable de l'église La Compassion au Cameroun, à Douala précisément. I am a pastor from Cameroon. Et je suis un fils spirituel de l'apôtre Marcelo Tounasi. And I am a spiritual son of Apostle Marcelo Tounasi. Je voudrais également remercier Maman Denise Kurundiza. And I would like to thank the Reverend Pastor. Que dès mon arrivée le mardi, je me suis familiarisé. Désormais, je l'appelle Mama Buntu. Since I came last Tuesday, I call her Mama Buntu. Mama Buntu, merci pour cet honneur. Mama Buntu, thank you so much for the honor. Les bonnes personnes ne sont pas difficiles à détecter. The great people are not difficult to discover. Je n'ai pas encore fait une semaine ici, mais quand nous l'avons vu, nous avons senti que c'est un don de Dieu. It's less than a week that I'm here, but I can feel that there is authority. Elle est une bénédiction pour cette nation et pour cette église. And she is a blessing for this church. Est-ce que nous pouvons apprécier le don de Dieu qu'elle est en acclamant le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour les dons de Dieu que nous avons dans cette église? Can we clap for the Lord for her? Tout à l'heure, je vous parlerai d'un messager de Dieu. Vous saurez pourquoi nous devons honorer les hommes que Dieu nous envoie. Amen. Hein? I was talking about a man of God, and I want you to know why we have to honor them. Je remercie également mon père, l'apôtre Marcelo Tounasi. I would like to thank as well the apostle Marcelo Tounasi, qui lorsque nous sommes arrivés ici et il nous a accordé la grâce de venir ici pour prêcher. Since we arrived here, he has given the grace to be able to preach. Par l'invitation des mamans Buntu. Through the invitation. Et ce matin, je prêcherai sous l'onction de mon père. And this morning, I will preach under the anointing of my spiritual father. Et Dieu va te parler ce matin. And I believe that God is going to talk to you. Je voudrais aussi remercier les peuples de Dieu. I would like also to thank the people of God. Qui vous avez beaucoup de soif pour Dieu. Who are thirsty for the word of God. Je suis ici depuis mardi, je vois tout le jour vous venez. I am here since Tuesday and I have been seeing you coming. Hier après un long service, vous êtes encore revenu ce matin. Yesterday after a long service you came back. Et vous reviendrez encore. And you will come back. Et enfin, je voudrais remercier mon épouse. And I would like also to thank my wife. Tu vas comprendre pourquoi je vais la remercier. You will understand why I want to thank her. Mon épouse et moi nous venons d'avoir un bébé. We just got a new baby. Et cet enfant n'a que deux semaines. And the baby is just 2 weeks old. Et mon épouse m'a laissé venir prêcher l'évangile. See, she has given me the opportunity to come and preach. Avec un enfant de deux semaines. And she has stayed with nous sommes small baby. Étrangers au Cameroun. We are foreigners in Cameroon. Je suis sa seule famille. And I'm the only family et donc she je l'ai laissée seule avec un bébé pour te prêcher. So I have left her with a small et baby vraiment to preach to you. Que Dieu te bénisse, mon épouse, là où tu es. My wife, be blessed where you are. Et que Dieu t'accorde la grâce. And may God et je te fais bisous grace. Comme mon pasteur a fait. Bisous, maman Bérékia. Bisous, bisous, bisous. Amen. Amen. Le texte que nous avons lu dans Luc chapitre 1, le verset 5 au verset 20, yeah, the text that we have read in Luke from chapter 1, nous parle de l'histoire d'une famille. It talks about the story of one family. Le Dieu que nous prions est un Dieu de famille. The God we pray is a God of a family. Lorsque tu t'es converti dans ta famille, when you repent in your family, les plans parfaits de Dieu c'est que toi et ta famille vous puissiez vous convertir. The plan of God is that you will be saved, but also your Josué family will be. Josué disait, moi et ma famille nous servirons l'Éternel. Joshua was saying, me and my family will serve the Lord. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons cette affirmation claire de la parole de Dieu. And we can see this in the New Testament. Dans le livre des Actes des Apôtres. In the Acts. Où nous voyons l'auteur est en train de dire, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. The apostle was saying,
believe in the Lord Jesus, you will be saved, and you and your family. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu de famille. Because the God we pray is a God of family. Si tu es chrétien, ne te réjouis pas d'être le seul chrétien de ta famille. If you are a Christian, don't be overjoyed because you are the tu only one. Tu dois te réjouir lorsque tous les membres de ta famille vont rejoindre ton Jésus. You have to be pleased when all the members of your family are saved. Et si les membres de ta famille n'ont pas encore rejoint Jésus, n'arrête pas de prier pour leur conversion. And if anyone in your family is still not believer, don't stop praying. Parce que c'est un avantage d'être plusieurs chrétiens qui se soutiennent mutuellement. It's an advantage to have a lot of Christians. Et les Écritures nous parlent de cette famille de Zacharie et d'Élisabeth. Scripture talks about the family of cette famille a deux particularités qui m'ont marqué. There are two particularities which are la première particularité de la famille d'Élisabeth et de Zacharie, c'est que c'était une famille de serviteurs de Dieu. The first specificity is that it was a family which was ils n'étaient pas des chrétiens simples. They were not an average Christian. Au-delà d'avoir donné leur vie à Jésus, ils servaient le Seigneur. Beyond giving their life to Jesus, they were serving the Lord. La Bible dit ils servaient Dieu sans aucune reproche. They were serving God without any reproach. Élisabeth et Zacharie. Elizabeth and Zachariah. Servant le Seigneur dans l'honnêteté. They were serving God in honesty. Dans la sainteté. In sanctification. Dans la consécration. They were consecrated to the Lord. Élisabeth et Zacharie étaient les types de chrétiens qui ne manquent pas les cultes. Yeah, they were this type of Christian who never missed church. Les types de chrétiens qui hier il était à l'église samedi, mais quand on a dit ce matin un culte, Élisabeth et Zacharie ne manquaient pas les cultes. Elizabeth and Zachariah will never miss any service. Je suis en train ce matin de voir des Zacharie et d'Elisabeth. And this morning I can see some Elizabeth and Zachariah. Qui malgré les poids de la semaine, encore ce matin tu es là parce que tu es Elizabeth et tu es Zacharie. Who despite all the burden of the week. Elizabeth et Zacharie n'ont pas besoin d'être motivés par les voisins pour venir chercher la face de Dieu. Elizabeth and Zachariah are not do not need to be motivated by Elizabeth neighbors. Et Zacharie, leur motivation c'est l'amour de Dieu qui brûle dans leur cœur. Their motivation is just the love of God which is burning in their heart. Même si leurs compagnons sont fatigués de prier, Elizabeth et Zacharie, ils savent ce qu'ils recherchent. Even when their friends are tired of praying, they know what they are looking for. Et tant qu'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils recherchent, ils ne vont pas arrêter de chercher and Dieu. Before receiving what they are looking for, they will never cease et to pray. Et le deuxième constat dans cette famille de Zacharie, and the second thing you have to notice, cette fois c'est un constat triste et amer. Something which is sad. La Bible dit dans cette famille de serviteurs de Dieu, and the Bible say that in this family, il y avait un vide. There was a void. Il n'y avait pas d'enfant. There was no key. Elizabeth était stérile. Elizabeth frère, had sœur, no je peux te dire une chose. My brother, my tu sister, peux servir Dieu. You can serve God, mais tu peux manquer des enfants. But you may miss tu children. Peux servir Dieu. You may serve God, mais tu peux manquer de travail. But you may be jobless. Tu peux servir Dieu. You may serve mais God, tu peux manquer l'argent. But you may not parce have que money. Nous ne servons pas Dieu pour devenir riche. Because we don't serve God nous to ne become servons rich. Pas Dieu pour avoir le mariage. We don't serve God to be nous married. Ne servons pas Dieu pour devenir célèbre. We don't serve God to be nous to be servons idols. Dieu parce que nous sentons reconnaissant parce que Jésus nous a sauvés. We serve God because we are recognizing what he has done. Même lorsque tu sers Dieu, ta vie sociale n'est pas bénie. Sometimes you serve God but your life seems not to be blessed. Si Dieu reste de te bénir, but if you are here, God is il ne ratera pas tes enfants. You will not miss your key. Si Dieu reste tes enfants, if you are here, il ne ratera pas les enfants de tes enfants. Et la Bible dit que Dieu bénit jusqu'à la millième génération. Because God has promised to bless si tu sers Dieu, tu ne vois pas la main de Dieu de ton vivant. If you serve God, you will not see the je God. Peux te rassurer I can reassure que you les fruits de tes entrailles verront la main de Dieu. That your kid will serve God. Le travail que je fais pour Dieu à Bujumbura, the work I'm doing here in Bujumbura même si je ne vois pas ces fruits de mon vivant, if
Je sais que mon bébé de 2 semaines vivra la gloire de Dieu. Si mon enfant ne voit pas la gloire de Dieu, mais les enfants de mes enfants vivront les résultats du travail que je fais maintenant. C'est pourquoi Élisabeth et Zacharie, ne vous découragez pas de servir Dieu. They were not discouraged. Même si vous n'avez pas encore des enfants, even if you don't have children, servez Dieu de tout votre cœur. Continue to serve God. Le Dieu que vous servez, the God that you are serving, il n'est pas sourd. He's not deaf. Il entend vos prières. He hears your le Dieu prayer. Que vous servez, the God you serve, il n'est pas aveugle. He's not blind. Il voit tes sacrifices. He sees your sacrifices. Il voit ta détermination. He sees your determination. Il voit ton courage. He sees your courage. Même lorsque tu es malade, even when tu viens servir Dieu. Come. Même lorsque les pasteurs ne te voient pas, tu viens balayer l'église. Même lorsque les pasteurs ne connaissent pas ton nom, tu viens chanter dimanche. Dieu qui a entre ses mains les livres de souvenirs, il est en train d'écrire les souvenirs. Il y aura un jour. Il y aura un jour. Il y aura un jour. Il ouvrira les livres de souvenirs. Et il va ordonner à un ange de venir te récompenser. De venir te récompenser. La Bible dit, dans cette famille de stérilité, un jour, Dieu a ouvert le livre de souvenirs. God opened the book of remembrance. Il a envoyé un ange. And he sent an angel. Qui s'appelle Gabriel. Whose name is Gabriel. Gabriel est venu. Gabriel came. Pour dire à Zacharie. To Zachariah. Il lui dit, je sais que ta femme est stérile. I know your wife is barren. Dieu m'a envoyé pour t'annoncer une bonne nouvelle. But God has sent me to tell you good news. Dieu m'a envoyé pour te dire que ta situation sera changée. But God has sent me to tell you that your situation is going to change. Lorsque la Bible nous parle des anges, when Bible talk about the angels, les anges viennent du mot grec angelos. It comes from the word angelos. Qui est traduit en français par envoyé ou messager. And it's translated in French by someone who is sent. Et je voudrais dire 4 choses concernant les anges ou les messagers de Dieu. And I would like to tell you four things about premièrement, angels. Premièrement, tous les anges ne sont pas ailés. First, all angels do not have wings. Tous les anges n'ont pas d'ailes. They don't have wings. Il y a des anges qui n'ont pas d'ailes. They are angels without mais wings. Mais ils sont des messagers de Dieu. But they are messengers from God. Mama Buntu est un ange pour cette église. Mama Buntu is elle an angel for this ailes. Church. She has no mais wings. Mais c'est un envoyé de Dieu pour but cette église. A messenger for this elle church. A un message pour cette she église. She has a message for même this si church. Vous ne la voyez pas avec des ailes. Even when you don't Dieu see lui wings, a donné un message pour ses peuples. God has given her message elle for this church. Elle est mandatée par le ciel pour she nourrir has, les troupeaux de Dieu. Mandate from God. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 2 le verset 1. The Bible said Apocalypse 2, la Bible dit 9, écrit à l'ange de l'église de Phèse. Write to the angel of Ephesus church. Donc écrit au messager de l'église de Phèse. Write to the messenger of the church. La lettre était adressée à l'envoyé de Dieu pour l'église de Phèse. The letter was addressed to et the y a des anges qui n'ont pas d'ailes. Yeah, there are angels la deuxième wings. Chose rapidement, the je veux second dire. Thing, la valeur d'un messager. The value of a messenger. Dépend de celui qui l'a envoyé. Depends on who sent him. La valeur qu'un messager a, the value of the messenger, l'attention que nous accordons à un messager, the attention we accord to the dépend messenger, de celui qui l'a envoyé. Depends on who has sent him. Si je suis envoyé par le pasteur Marcelo, if I am sent by Pastor Marcelo, même si tu ne m'as jamais entendu prêcher, even if you have tu vas m'accorder l'attention you will pay attention parce que tu vas te dire tel père, tel fils. Because as father, as son. Tu m'accorderas de l'attention parce que je suis un messager qui est envoyé par un messager que toi tu connais. You will pay attention to what I say because I'm sent by si someone Mama you know. Buntu m'envoie pour faire quelque chose, même si elle n'est pas là où elle m'envoyait, les gens qui vont me recevoir vont m'accorder de la valeur parce que j'ai reçu un mandat, j'ai reçu un travail, j'ai reçu une mission de la part d'une personne qui
a de la valeur et les hommes qui me recevront m'accorderont la valeur, non pas en fonction de ce que je suis, mais en fonction de ce que c'est lui qui m'a envoyé. If Mama will not send me, you will receive me not because of me, but because she has sent me. Et ce matin, je ne suis pas un messager de la part d'une famille. And this morning, I'm just not a simple messenger. Je ne suis pas un messager de la part de l'église La Compassion Douala. And I'm not just a messenger from je ne suis pas un messager de la part du Congo. I am not just a messenger from N. Je viens de RDC. I come from mais DRC. Ce n'est pas République démocratique du Congo. But it's not DRC. Je viens de RDC qui est le royaume des cieux. I come from the je DRC, viens du royaume des cieux. I come from et the j'ai kingdom un of God. Message pour l'église and du rocher. I have a message for je the church suis envoyé of the rock. Pour te communiquer et ainsi dit le Seigneur. And I came to tell et you what vous savez God mes said. Frères and you know, s'il my y a brother, une chose que Dieu ne sait pas faire, Dieu ne sait pas rater ses cibles. God never misses lorsque his, Dieu te calcule, il ne va pas te rater. When he does his lorsque his Dieu mark, te pointe, you will not miss il you. Ne va pas te rater. You will always et be Dieu his m'a target. Mandaté ce soir matin avec un message and God has afin given de you a parler message à une, une Elisabeth so that I can talk to et un Zacharie. In Zachariah, et ta vie sera changée. And your life will la change. Troisième chose, thing, il faut avoir la révélation et le discernement pour savoir honorer les envoyés de Dieu. You have to have a revelation and discernment to honor the dans messenger Luc chapitre from God. 1, on a vu que Zacharie a manqué la révélation et le discernement. We can see that Zachariah missed malgré the que l'envoyé de Dieu lui a donné une prophétie pour sa vie. Despite the fact that the messenger from God il n'a pas cru. A prophet. Et dans le verset 20, and in verse 20, l'ange lui a dit, parce que tu n'as pas cru, the angel said, because you did not believe, tu seras muet. You will be, you will not be jusqu'à able to ce speak. Que la promesse va s'accomplir. Until the promise is la quatrième chose, fulfilled. The fourth les thing, types d'envoyés, The ça j'aime beaucoup. Of messenger révèle l'importance du message. Reveal the importance of the message. Les types d'envoyés. The type of révèle the messenger l'importance du message. Reveal the importance of the l'ange message. L'ange Gabriel n'était pas n'importe quel ange. The angel Gabriel was not Gabriel any angel. Était un ange de la classe des archanges. Gabriel was among the lorsqu'on dit archange, when we talk about archange, les préfixes arc. The prefix arc veut dire au-dessus. It means above. Veut dire supérieur. Superior. Donc l'ange Gabriel était un ange qui était au-dessus des autres anges. Gabriel was one above other angels. Si on envoie un enfant pour te donner un message, when someone send a kid to give you a tu message, sauras que ce message n'est pas très très important. You will know that the message is not very mais important. Mais si dans ta maison tu vois un cortège de 15 voitures avec des militaires, but when you see at your house, pour te donner un message. A lot of, même si tu n'as pas écouté les messages, motorcade with, tu vas a lot comprendre of people, que ce message est important. Even if you don't understand the parce message, que you know that the message d'envoyé is important. Détermine l'importance du message. Because the messenger et Dieu nous a dépêchés du Cameroun afin que nous puissions vous communiquer un message de sa part. And before we can communicate Dieu a dépêché tous les cortèges de l'homme de Dieu, l'apôtre Marcelo, afin de vous communiquer un message. God has sent et je vous assure, après cette croisade, l'église du rocher ne sera plus jamais la même. On the rock will not be l'église the same. Du rocher recevra le feu du Saint-Esprit. The church will receive l'église the fire du rocher the sera Spirit. Accompagnée par des signes, des prodiges et des miracles. The church will see miracles il y aura des and prédicateurs wonders. De l'évangile qui vont se lever dans cette église. There will be ceux qui vont proclamer la vérité. Who will proclaim ceux qui n'auront pas peur truth. De dire la vérité. People will not be ceux afraid qui vont to say annoncer Jésus-Christ. Et que Jesus. Cela vous arrive au nom de Jésus. And I want that to arrive to you in the name of Jesus. Le texte, ce que nous avons lu, the text that we have read, m'enseigne trois choses. Teach me three que rapidement things. Je vais les nommer. That I la première chose que ce texte m'enseigne, the first thing, c'est que le nom a un pouvoir. The name has power. Je suis étonné. I'm surprised. Lorsque Gabriel
ses présences devant Zacharie, when Gabriel came in front of Zachariah, tout ce qu'il dit à Zacharie, whatever he said to Zachariah, il dit, je suis Gabriel. He said, I'm Gabriel. Je me tiens devant Dieu. I stand before God. Pourquoi Gabriel n'a pas trouvé une autre formule pour se présenter à Zacharie? Why didn't he find another form for introducing himself? Parce que le nom a un pouvoir agissant dans son porteur et dans son environnement. Because the name has power. Il y a certains noms que vous connaissez. There are some names that you know. Lorsque on te regarde sous ton passeport, when they look at on your te passport, fait passer rapidement. They let you lorsque just go tu vas dans une banque, when you go to on a te bank, fait passer rapidement. You just go through lorsque quickly. Tu es à l'école, when you are at school, on ne te traite pas comme tous les autres. They don't treat pourquoi? You like anyone. Parce que le why? Nom d'une personne because the name incarne of a person, un pouvoir. There is a power in that c'est name. Pourquoi, parents, écoutez-moi. That's why ne donnez pas les noms n'importe comment à vos enfants. Don't give any name to your donnez children. À vos enfants les noms qui expriment la gloire de Dieu. Give to your children names which avant express que ma the glory fille ne naisse, j'avais déjà son nom. Before the, elle s'appelle before Akalia. The birth of my elle girl, s'appelle I Akalia. Have no name. Akalia veut dire c'est lui que l'Éternel éclaire. Her name is Akalia, et cet enfant jusqu'à la fin de sa vie sera éclairée par l'Éternel. Because I believe that until the end of her life, et si par erreur, tes parents n'ont pas eu la révélation de te donner un nom qui exprime la gloire de Dieu. Maybe your parents did not have the opportunity tu to as le droit name, de changer ton nom. You have the right to change your name. Même si dans ton passeport à l'état civil tu as un certain nom. Even if you have another name in your passport, tu peux ajouter à ce nom un autre nom que Dieu te donnera. You can add another name that God will si give. Je m'appelle petit, if I am called small, je peux ajouter à mon nom petit de Jésus. I can add a small for Jesus. Parce que les noms petits comme mon père et ma mère m'ont donné, because the name that my c'est parents un nom gave qui me limite. It's a name which et puisque ce nom est dans mon passeport, dans mes documents, the name which je ne peux passport, pas aller changer ça partout. I cannot change it mais everywhere. À l'instant où je reçois la révélation que je peux changer mon nom, but when I receive the revelation to change je my name, remettrai les compteurs de ma vie à zéro. I put back je commencerai à vivre ma vie en ce jour-là. And I start living my n'avez-vous life. N'avez-vous pas remarqué que lorsque Jésus est venu, didn't you notice when Jesus came, le temps a été remis à zéro. The time has, on dit toujours 4000 ans avant Jésus. We always say 4000 ans après 4, Jésus. Years before, parce que par le nom de Jésus, le compteur a été remis à zéro. From Jesus, si tu as un nom qui n'est pas glorieux, tu as ce matin le droit de te donner un nom qui exprime la gloire de Dieu. If your life has not been glorious, et Gabriel right lui dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. And the angel said, je ne suis Gabriel, pas n'importe qui, je suis Gabriel. I'm not any je ne suis angel. Pas un ange lambda, je suis Gabriel. I'm not any angel, I'm je Gabriel. Ne suis pas un envoyé simple de Dieu, je suis Gabriel. I am I'm not any et je me tiens devant Dieu. I am Gabriel and I stand la deuxième God. Chose, the second thing, c'est tenir devant Dieu. It's c'est tenir devant Dieu. It means to stand before God. Faites de nous des acteurs de changement. It transforms us into actors of change. Dans le dépôt de Dieu. The deposit of God. Lorsque Dieu a analysé la famille de Zacharie et d'Élisabeth, when God analyzed the family Dieu of Zacharie a vu que cette Elizabeth, famille a des problèmes qui réclament de changement. He saw that they have problems and they need a change. Dieu a envoyé quelqu'un qui se tenait dans sa présence. He sent someone who stands in his presence. Parce que lorsque tu sais te tenir dans la présence de Dieu, Dieu fera de toi un acteur de changement. Because when you stand in presence of God, he will make you an actor of change. Un homme qui prie devant Dieu. Someone who stands in front of God in prayer. A le pouvoir de changer sa famille. He has the power to change his family. Un homme qui se tient devant Dieu à genoux pour prier. Someone who stands in prayer. Saura se tenir devant les hommes pour résister à la tentation. Stand in front of people. Un homme qui se tient devant Dieu à genoux pour prier. Someone who is on his knees to pray. Saura se tenir devant le complot au travail. He will stand in front of un homme qui sait se tenir devant la prière. Anyone who standing on his un knees jour, in prayer. Il dira dans cette famille c'est fini la sorcellerie. One day he will tell his family. Dans cette famille c'est fini la pauvreté. Poverty is dans over. Cette famille, c'est fini les filles qui accouchent avant le mariage. It will be over for est-ce que vous comprenez ce que je dis?
Lorsque tu te tiens devant Dieu, do you understand what I say? Tu deviens un acteur de changement. You become an actor of change. Lorsqu'un homme se tient devant les chefs de l'État, someone who stands in front of the il devient un acteur state, de changement. He becomes même si le chef de l'État ne l'a pas envoyé. Even if, when the president has not mais sent si him, cet homme arrive dans un quartier où il y a les troubles, when that man arrives in a les troubles vont cesser disorder, parce qu'il se tient see, devant le roi et il devient king, un acteur de changement. And he a change et toi, tu te tiens devant Jésus-Christ. And you stand tu te Jesus, tiens devant le roi de rois. You stand the tu king te tiens of devant le Seigneur de seigneurs. You tu te tiens devant celui qui a créé tes poumons. You stand before tu te tiens devant celui qui a créé ta famille. Lungs. Your family. Et la Bible dit rien n'est impossible à Dieu. And the Bible says, et nothing tout est possible à celui qui croit en and Dieu. Puisque tu te tiens devant Dieu, because ta situation changera. The situation ta situation change. Changera. The situation ta vie change. Changera. Your life will change. La main de Dieu viendra sur ta the vie. Hand of God will come on si your, tu le crois, dis amen. If you believe, say amen. Et la troisième chose the third thing, que ce texte m'enseigne, c'est qu'il faut se tenir devant Dieu en position de le servir. In a position of a servant. Luc chapitre 1, le verset 19, dans la version française courant, la Bible dit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu pour le servir. I stand before God and to serve. On ne se tient pas devant Dieu pour devenir star. You don't stand before God just Dieu ne nous oint pas pour devenir star à l'église. I don't have the anointing to Dieu be a star. Dieu ne nous donne pas sa puissance et sa connaissance pour devenir des stars à l'église. We don't become, nous nous tenons devant Dieu pour que nous puissions le servir. We stand in front of God devant to serve Dieu, him. Qui que tu sois, nous sommes des serviteurs de Dieu. Whoever you are servant nous of sommes God. Des vers de terre devant Dieu. We are like a small, nous sommes des fourmis devant Dieu. We are like ant in c'est front Dieu of, qui est le maître. God is the master. C'est Jésus qui est Seigneur. Jesus nous is the tous master. Ici, nous sommes des esclaves de Jésus. We are all servants of God. Même si on t'appelle patron au travail, even if they devant honor Dieu, you tu dois te tenir en forme de serviteur. Before God, you have to serve et je as a suis servant. Étonné and I'm surprised. De voir les gens qui viennent prier, sometimes people come mais to il est en train de bouder Dieu. They don't. Il est en train de bouder Dieu. As if they are angry il est en train God. De frimer devant Dieu. It's as if they are il est en train proud de faire God. Le fier devant Dieu. They are proud frère, God. Devant Dieu, tu es serviteur. But my brother, la Bible in front dit, of God, have, les anges jettent leur couronne devant Dieu. Ils jettent leur couronne devant Dieu. Les vieillards jettent. Devant Dieu, on jette notre honneur. Devant Dieu, on jette notre personnalité. Devant Dieu, on n'est pas des pasteurs. Devant Dieu, on est des enfants de Dieu. Before God, we are His children. Il y a des gens qui sont conscients de leur personnalité même devant la présence de Dieu. There are people who feel important even in presence of God. Devant Dieu, on s'efface. But before God, we have to be Jean disait like que je nothing. Diminue et qu'il croisse. John was saying, I have to decrease and you have to increase. Pour finir mon message, je veux te partager cinq choses. To end my message, I want to say five things. Dieu n'envoie God send que ceux qui savent se tenir devant sa face. Only those who can stand in his Dieu place. Ne peut pas envoyer un messager qui ne se tient pas devant sa face. God cannot send a messenger who does not qu'est-ce stand in que his tu face? Diras au monde si tu n'as pas été dans la présence de Dieu pour recevoir les instructions afin de communiquer un message au peuple de Dieu? What are you going to say if you don't stand in front of God? Il y a des gens qui se plaignent. There are people who complain. Mama Buntu, ne me donne pas pour prêcher. Pourquoi? They say they don't parce send que me tu to ne preach. Pries pas, comment elle va te laisser prêcher? If you don't pray, how God is going to tu save ne you? Te tiens pas devant Dieu pour recevoir les oracles de Dieu, comment va te laisser la chair pour prêcher? You don't stand in front of God to give les to serviteurs the message. De Dieu qui ne prient pas. Some servants do les not pray. Les serviteurs de Dieu qui ne lisent pas la Bible. People of God who do not read the Bible. Les chrétiens qui n'ont que dans leur arme un pistolet qui a quelques balles. People who have just a malfunctioning quelque part le verset biblique. Just il n'a que cinq versets qu'il a retenus. He just knows five Jean 3, 16.
John 6, Matthieu 7, 7. Matthew 7, 7. Psaume 23. Psalm 23. Jean 1, 1. John 1, 1. Genèse 1, 1. Genesis 1, 1. Et Jean 11, 35, Jésus pleura. And you think that Jesus... Si Dieu t'enlève seulement ces versets-là, if God take away those qu'est-ce verses, que deviendra ta vie? What will become of your life? Vous pensez que prêcher, c'est connaître un verset? Do you think that preach is just to know one vous verse? Pensez que être un envoyé de Dieu suffit quand tu as lu un verset? Do you think that to read a verse is just et enough? Nous sommes dans une génération de serviteurs de Dieu qui sont pressés de servir au lieu d'être pressés d'être des apprentis. We are in a time when people are pressured to serve, but we need to be in the presence of God. À peine converti, à peine tu veux prêcher. You just repented and you want already to preach. Même lorsqu'un chef de l'État est élu, il doit attendre prêter serment pour prêcher, pour servir. Even the head of state has to wait. Et nous avons la maladie des nouveaux serviteurs de Dieu. À peine converti, tu veux commencer l'église. Pourquoi tu veux commencer l'église? Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu, aux hommes? And you just repented and you already want to start a church. Mes frères, what are you going to say? Celui qui vous prêche ce matin. My brothers, the one who is preaching to you. J'ai fait près de 20 ans au pied du pasteur Marcelo. I have spent 20 years with Pastor Marcelo. 10 ans après, il m'a donné sa chair pour modérer, pas pour prêcher. And 10 years after, he just gave me mais dans les églises, like a master of ceremony. Les pasteurs ne te donnent pas la chair. 2 ans, tu quittes. 3 ans, tu es fatigué, tu quittes. 5 ans, tu es fatigué. On ne reconnaît pas ma grâce, tu quittes. Frère, j'ai fait 10 ans. I have spent 10 years without being given any position. Et après 10 ans, quand mon père a dit, Dieu me dédommage. And after 10 years, my father said, it's time. Mais lorsque Dieu envoie ceux qui se tiennent dans sa présence, and when God sees those who stand in his presence, Dieu les envoie pour communiquer quelque chose. He sends them to communicate something. Gabriel a dit, je suis envoyé par Dieu pour te parler. Gabriel said, I am sent by God to et la Bible, tell you. Lorsqu'on parle de parler dans ce verset, parler veut dire deux choses. And when we talk about speaking, parler veut dire premièrement faire entendre la voix. It means to hear the voice. Lorsque Dieu t'envoie, ce n'est pas pour rester silencieux, c'est pour faire entendre la voix de Dieu. When God sent you, it to make his voice be heard. Deuxièmement, parler veut dire secondly, émettre un son. It's to emit a sound. Lorsque tu es un envoyé de Dieu, on doit entendre ton son. When God has sent you, people must hear what you la Bible saying. Dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous une table. The Bible says that you don't. Lorsque you Dieu don't t'appelle, on doit entendre le son de ton appel. So when you are talking, people must hear what you ta are famille doit savoir que tu t'es converti. Your family must know that you tes have amis païens doivent saved. Comprendre que tu t'es converti. Your family of pagans. Lorsqu'on s'est converti, on arrête le copinage. When you are born again. Lorsqu'on s'est converti, on arrête de voler la caisse du gouvernement. When you are born again, you have lorsqu'on s'est converti, on arrête les sugar daddy. When you are born again, you stop to go around with women. Un envoyé de Dieu. A messenger from God. Il émet un son. He says something. Il fait entendre le son de la sainteté. He makes people understand this. Le son de la paix. The sound of wisdom. Le son de la peace. Communion avec Dieu. The sound of communion le son with de God. L'humilité. The sound of humility. Que c'est beau de voir un homme de Dieu être humble. And it's very important to c'est see beau de voir une servante de Dieu être humble. It's good to see a servant of God in humility. La dernière chose. The last thing, il me reste 3 minutes. I have just les 3 autres choses, je le dirai un jour ou le jour Dieu le permettra. Je m'arrête qu'à la deuxième chose. I'm going to stop on this. I will say something later. Dans les moments de crise, in the moment of crisis, ceux qui se tiennent dans la présence de Dieu, those who stand in the presence of God, ils sont de choix favoris de Dieu. They are the favorite choice of God. Elisabeth et Zacharie vivaient un temps de crise. Elisabeth and Zachariah were in a crisis. Ils servaient Dieu.
But they were serving God. Mais ils n'avaient pas d'enfants. But they didn't have children. Ils s'est consacrés au Seigneur. They were consecrated to the work of God. Ils n'avaient pas d'enfants. But they didn't have deux children. 2 ans pas d'enfants. 2 years no kids. 3 ans toujours stérile. 3 years no children. Et ils s'étenaient la main, ils priaient, ils disaient nous croyons que l'année prochaine Dieu va nous donner un enfant. But they continued to pray expecting. Et l'année prochaine janvier ils espèrent, janvier ça passe pas d'enfants. They thought that next year we will have. Février, ça passe pas d'enfants. February, no kids. Ils arrivent en juillet 2022. And they arrive in July. Ils croient que Dieu va nous donner un enfant. They still believe that they will receive a children. Toujours pas d'enfants. But they still not. Mais dans ces moments de crise, but in time of crisis, Dieu voit. God sees. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. The silence of God is not his absence. Lorsque Dieu est silencieux dans ta vie, cela ne veut pas dire qu'il est absent dans ta vie. When God does not speak, it does not mean he's absent. Peut-être Zacharie et Élisabeth pensaient que Dieu les avait oubliés. Maybe they thought God has forgotten Mais them. Comme le pasteur Marcelo nous a prêché. But as Marcelo said, dans les temps chronos de Dieu, dans les temps kairos de Dieu, in the time of God, il y avait une programmation divine. There was a program of God. Dieu avait arrangé un agenda pour bénir ces couples. God has an agenda for this. Et lorsque Dieu voulait résoudre une crise, and when God wants to solve a crisis, il a choisi Gabriel qui sait se tenir devant Gabriel Dieu. Who stand in front of God. J'aimerais encourager quelqu'un qui se consacre. I want to encourage J'aimerais someone encourager who is consecrated. Quelqu'un qui prie Dieu de tout son cœur. I want to encourage someone who is praying. Ne t'arrête pas de te tenir devant stop. Dieu. Being in presence of God. Il y aura un jour le maître des temps et des circonstances. There is a day, the master of time and the circumstances. Il va créer une circonstance de crise à Bujumbura. Some circumstances in Bujumbura. Et c'est toi que Dieu va choisir pour résoudre ces problèmes de crise à Bujumbura. To solve those crises. Gabriel se tenait devant Dieu. Il ne savait pas qu'un jour Dieu allait l'envoyer pour résoudre un problème de crise. Gabriel was standing in presence of God. Tout le jour, he would be sent. Gabriel était là devant Dieu. He was always in Gabriel cherchait la face de he Dieu. Was seeking the face Gabriel of God. Servait le Seigneur. He was serving God. Lorsque les amis allaient en boîte, Gabriel ne partait pas en boîte. When friends were going to lorsque les filles de ton âge, l'âge grandit, elles commencent à coucher avec des hommes. Toi, tu dis, je donnerai pas mon corps jusqu'à ce que je vais me marier. When girls of your age are c'est sleeping ça, c'est around, tenir you mon say, Dieu. I will not do that because il y aura I'm un jour, there is a day. Tu enverras l'homme de ta vie. God will send et a man le seul from critère him. De cet homme. And ça sera trouver une fille vierge. And et c'est quand Dieu va te récompenser. And God will ne te fatigue pas de te tenir devant Dieu. God will reward you. Même don't si le temps est difficile. Even même if si time is difficult, temps de crise. Even if même time si of crisis, les gens n'aiment plus Dieu. Even if people don't like God. Continue à te tenir continue devant Dieu. To stand in the presence of God. Lorsque je me suis converti, mes frères. When I repented. J'avais des amis qui se moquaient de moi. I have a friend who je me suis converti quand j'étais à l'école. I became born again when I was still at school. J'avais avoir 14, 15 ans ou 16 ans. I was around 14 years old. Quelqu'un dans son gré se demande, mais là, il a quel âge? On ne demande pas l'âge du pasteur. you ask yourself how old I am now. Et j'étais un bon païen à l'école. And I was a very un païen dérangeant. And I was disturbing j'aimais everyone. Les copines. I loved girls. J'avais une copine qui avait 1m80. I had a girlfriend who et moi was, j'étais minuscule comme ça. And I was so small. N'avais qu'une copine élancée. And my girlfriend et je was dis so aux gens, ces palmiers que vous voyez, c'est. And I was telling them the palm j'étais heureux d'avoir un objet d'impudicité. And I was happy to et be quand in je me suis converti. But when I repented. Dieu m'a appelé dans le lieu secret pour m'effacer. God called me in a secret pour place me briser. To break me et down. Les amis de mon âge me critiquaient. And my friends au Congo, on dit me. À sauter mboula. Ça veut dire tu as sauté ton âge. Tu te comportes comme un vieux alors que tu es jeune. In DRC, they say you have et jumped des paroles your comme ça, ça me rappelle l'Égypte. And this reminds me of Egypt. Ça me rappelle ma vie passée. It reminds me of my past et life. Quand je m'étais converti, je n'avais même plus l'argent que je pouvais avoir facilement dans le vol. And at that time, I didn't even have money to mes go poches out. N'avaient plus les imana, c'est ça.
Mes poches n'avaient plus d'argent. My pockets were empty at that time. Je commençais à me poser des questions. And I was asking myself, est-ce que c'est vraiment le vrai Jésus que j'ai cru? Is it the true Jesus I believe? Ou c'est un autre Jésus? Or is someone else? Près de 20 ans, 14 ans après. And 14 years later, lorsqu'il fallait que la compassion commence à ouvrir les extensions, les églises à l'étranger. When the church compassion started to expand, mon père, le pasteur Marcelo, m'appelle un certain mardi. My father Marcelo called me. Il me dit, fils, quand je priais, Say, son, when I prayed, Dieu m'a dit que tu dois aller au Cameroun ouvrir l'église. He told me that you should go in Cameroon to J'ai senti church. Le froid dans mon corps. And I was cold. J'ai dit, papa, moi. And I say, father, me? Il m'a dit, prie. He told me, pray. Et Dieu va les confirmer. And God will confirm. Dans mon cœur, je dis, papa, il n'y a pas à prier. Dieu a confirmé déjà. I say in my heart, God has confirmed already. Et il a dit, ne dis à personne. Don't tell anybody. Je viens le soir au culte. I'm coming in the evening to the service. Il me fait appeler devant. Il prie pour moi. And he called me and he prayed for me. Et en mars. And in March. De l'année passée, je prends l'avion, je vais au Cameroun. Last year, I went to Cameroon. Je commence l'église. And I started the church. J'étais Gabriel. I was Gabriel. Je me tenais devant Dieu. I was in the presence of God. Les amis qui se moquaient de moi. The friend who were laughing at me. Aujourd'hui, quand je prends une photo, je mets sur internet. When I took a picture and I put. Écoutez leurs commentaires. On the social media. Pasteur Marco, mon ami d'enfance. They say Pastor Marco, my friends, my childhood friend. C'était les mêmes personnes qui me critiquaient. They are the same friends who were criticizing me. Mais j'ai su rester dans la présence de Dieu. But I stayed in the presence of God. Dieu savait qu'il y aura un temps de crise. God knew there would be a time of crisis. Sa main va rechercher ceux qui se tiennent devant Dieu. But his hand will look for those who que stand Dieu in his bénisse. Presence. May God bless abondamment. You. Abundantly. J'aimerais prier avec vous avant de descendre pour 2 minutes. Mon temps est déjà passé. I would like to pray with you for just 2 minutes. Je vais prier pour une seule catégorie de personnes dans cet auditoire. I want to pray for one category. Tu te consacres à Dieu. You consecrated to God. Mais tu sens que on t'attire pour abandonner le Seigneur. But you feel something is taking you. Ce sont tes amis qui ne craignent pas Dieu qu'on épouse par les maris. Some friends are trying to take you away. Et tu es sur le point de vouloir commencer à faire comme ces filles-là. And you are tempted to do as they do. À l'école, tu es les garçons qui ne trichent pas. At school, you are not cheating. Au travail, tu ne voles pas. At work, you don't steal. Et tu sens le poids de la vie sur toi. But you feel the burden from others. Tu es sur le point de dire, Seigneur, je suis fatigué. And you feel as if you are going to give up. J'aimerais prier pour toi. I want to pray for you. Afin que Dieu te fortifie. So that you are strengthened. Parce que la gloire est demain. So that you see the glory of God. Là où tu es, baisse ta tête simplement. Where you are, just bow your head. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Heavenly Father. Il est écrit dans ta parole. It's written in your word. Dans le jour de leur détresse. In the day of distress. Tu envoyas ta parole. You send your word. Et ta parole guérit. And your word healed them. Si ce message. If this message. Est envoyé pour quelqu'un. He has been sent for someone. J'ai prié que tu le fortifies. I pray that you strengthen him. Qu'il ne quitte pas ta présence. He should not leave this presence. Qu'il continue à rester dans ta présence. Let him stay in your presence. Parce qu'il y aura un temps de crise. Because there will be a time of crisis. Que tu vas le choisir comme une solution. And you'll choose him as a solution. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. J'ai ainsi prié. I pray. Amen. In the name of Jesus. Amen.